Un mot sur le Heiva qui approche. On danse. Cette année, on note une forte participation de groupes amateurs, à l'image des Tamariki Teavaroa qui se présentent pour la première fois. La troupe répète tous les soirs dans la zone industrielle de la Punaru. Tauhiti Taunua Musan et Matai Horei sont allés à leur rencontre. Pour vous, regardez plutôt. Ces danseurs, en majorité Pamutu, répètent depuis février dernier. Leur passage sur la scène du Heiva approche. Mais les pas et les gestes sont encore un peu hésitants. Et 4, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'abord, prêt, ouais, ça c'est sûr, prêt, mais en même temps, il y a un peu de, comment dire, je ne vais pas dire tension, mais on, voilà, voilà, exact. Trois tableaux pour un spectacle de 45 minutes sur la création de Takaroa. Ses premiers habitants et ses Aïto. Pour sa première participation au Heiva, Tamariki Teavaroa souhaite montrer qu'elle fait partie intégrante de la culture polynésienne. On va dire que l'identité Pamutu, il est assez, comment dire, il est mise quand même au côté quand même. Actuellement, on dit qu'il y a 9 peuples Vahidou. En fait, il n'y a que 2 par rapport à ce thème. C'est le thème qui va venir et apporter l'explication. Voilà, comme pour d'autres groupes de chant et danse, la reconnaissance de son identité polynésienne est largement mise en avant par cette formation. Inscrits en catégorie amateur, les Tamariki Teavaroa seront sur la scène de Tohata le 6 juillet.